Bonjour mes petits camarades, nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er mars 2023. Il fait moins 5 degrés, un beau soleil, et c'est parti pour une bonne rando. Alors là, je suis arrivé dans une clairière et je vais continuer un tout petit chemin qui est bien sympa et qui m'emmène je ne sais où. Des petits cours d'eau. Voici la suite de mon périple. Et voici les caillebotis qui permettent de passer au-dessus de la zone marécageuse. C'est bien sympa quand même, hein. Ce caillebotti ici est beaucoup plus long, hein. Je crois que c'est le plus long du parcours, hein. Parce que voilà, tout ça c'est de la tourbe, des marécages et compagnie, hein. C'est soi-disant un lieu touristique, alors je n'en doute pas, l'été ça doit être bourré de moustiques, mais là t'as pas un chat copain, hein. Moins 5 et pour l'instant ça réchauffe pas, hein. Sinon c'est chouette coin, bien tranquille, on est sur les hauteurs, je peux te dire que ici tu prends un bol d'air pur, hein. Bon, j'ai soulevé un peu le bâton, il peut boire un petit coup, il y a de l'eau qui est remontée en surface là, il aspire, mon petit copain, aspire, ouais, mes pauvres. Et toi aussi tu viens boire, ouais. J'ai fait un plus grand trou, copain, tu peux y aller. Fais du bien, hein. Hein, oui. Ouais, c'est un peu frais, mais bon. Au moins tu peux mettre ta langue et tout, quoi. Ouais. Allez, buvez avant que ça regèle, les copains. Buvez avant que ça regèle, mes petits potes. Voilà. C'est bien. Eh ben, c'est l'heure de la pause, les copains. C'est l'heure de la pause. Une belle balade. Là, je me suis mis à côté d'une cabane de chasse là, pour faire ma petite pause. Vitaminé. Et puis boire un petit coup. Alors, j'ai fait un sacré bon tour. Alors, je suis parti un petit peu plus tôt ce matin. Donc, quand je suis arrivé ici, il était 8h30. Il est 11h, donc c'est l'heure de la pause. Et puis voilà, quoi. Vous avez vu mes copains chevaux? Je dis pas qu'ils avaient
une soif phénoménale, hein, les copains, mais le problème est que par ces températures-là, l'eau gèle bien. L'eau gèle bien, là on avait beau mettre un bâton dedans. Je ne sais pas ce que les gens avaient fait, mais vu l'épaisseur, j'ai eu du mal, hein, j'ai eu du mal à péter l'épaisseur de glace, hein, pour leur donner un peu à boire, un peu seulement, parce que j'ai pas pu faire un très grand trou. Ils ont eu leur canton. C'est ça le principal. Et oui. Ils avaient l'air contents, mes petits copains. Ils ont ce qu'il faut à manger, hein. Donc dans la nourriture, ils ont de la faute, mais ils aiment bien. Et puis c'est important pour eux de boire, hein.